temps. Voilà. Ça me semble important parce que cette exposition, c'est une exposition qui est à la fois une exposition thématique, mais qui permet de découvrir les univers de beaucoup d'artistes, qui pour certains sont connus, d'autres le sont moins. Et moi, j'ai retenu donc quatre artistes qui me plaisaient. Boldanski, Fontana, Uccio Fontana, et Gazurowski, Gérard, et Anton Priner. Voilà. Quatre artistes qui sont complètement... ils sont pas antinomiques, mais qui sont très différents. Et je me suis dit, ce qui peut être intéressant, c'est qu'au travers des œuvres qui sont présentées dans le musée, dans l'exposition, on partira de ces œuvres, on reviendra forcément à chacune de ces œuvres-là, mais vous présentez un petit peu une sorte de mini-biographie de chacun de ces artistes. Voilà. Je crois que c'est intéressant. Je pense en particulier à Gazurowski. Moi, je suis un fanat absolu de Gérard Gazurowski depuis toujours. Je trouve que c'est complètement... enfin, vous allez voir, mais à chaque fois, ça sera court, ça fera un quart d'heure, 20 minutes. Mais j'étais à la Galerie Macht il y a 15 jours, et avec Isabelle Mack, elle m'a dit ah, « Pourquoi pas faire un jour une expo Gazio ?» Et moi, je serais très heureux un jour de faire une expo Gazio, mais comme vous allez le constater, c'est tellement dense, mais c'est tellement riche aussi que c'est formidable. Donc, ces expositions thématiques, elles sont l'occasion de redécouvrir des artistes, et encore aujourd'hui, j'avais une amie à moi qui était là et qui m'a dit « Mais c'est chouette parce que finalement dans cette exposition, Café Aurore Méchain, on peut trouver des œuvres d'artistes très, très variés, voilà, qui font pénétrer des univers donc différents. » Alors, je vais, comme d'habitude, évidemment, moi j'ai passé beaucoup de temps à collectionner des images parce que mon grand plaisir c'est de faire des collages d'images. Et puis après, je ne vais pas vous faire un cours magistral. Je préfère vous parler de ces images et puis vous parler un petit peu de la personnalité de ces artistes. Et puis après, ben, on pourra ouvrir un peu la discussion. On va dire que Boldanski, c'est plutôt l'artiste qui a mis sa vie un petit peu dans son œuvre, Christian Boldanski. Donc il a une notion du temps, que son temps historique à lui, c'est son temps soit sublimé, soit réel. Donc temps inventé, histoire inventée, ou alors sa propre histoire. Et donc c'est quand même intéressant de voir un artiste qui, de sa propre histoire, ou du moins, je dirais, la fiction de sa propre histoire, mais bon, quand vous savez qu'il est juif, et que donc il y a des choses qui sont quand même très importantes que je vais vous faire découvrir, donc sur Boldanski. Ensuite, Lucio Fontana, c'est italo-argentin, hein, donc deux pays formidables, ou argentino-italien, quelqu'un qui vient de la sculpture et qui finalement à un moment donné s'interroge un petit peu sur la notion du temps et l'espace, et qui finalement va inventer les attentes, hein, ce qu'il appelle les concepts spatiaux, les attese, et qui sont donc ce tableau que vous allez voir en bas, donc je vais l'accompagner, hein, pour vous expliquer pourquoi fondre l'espace, pourquoi traverser l'espace. Gazurowski, c'est une sorte de soudard, peintre génial pour moi, né en 30, mort en 86, donc mort extrêmement jeune, qui est, je dirais, une sorte de héros de la peinture. Hein, héros, les deux héros, si vous voulez, hein, dans le sens de représentant de la peinture, les Rindic, le héros, et puis dans le sens également, la peinture étant véritablement la seule chose qui l'a intéressé toute sa vie, mais dans un désordre quasi absolu, et avec un véritable génie, voilà, et avec des interrogations aussi intéressantes sur la vie, la mort, la guerre, tous les sujets qu'on peut imaginer. Et puis Anton Priner, alors ça c'est mon domaine personnel, c'est un peu mon jardin personnel, c'est un artiste, donc je vous ai déjà parlé de Anton Priner, né Antonia, devenu Anton à Paris en 1927, hein, et qui vit toute sa vie de sculpteur dans un environnement extrêmement étrange qui mêle théosophie, religion catholique, protestantisme, bouddhisme, et qui a une...
et qui a quand même une notion en fait très intéressante de la peinture, de la sculpture, de la céramique, parce qu'elle a travaillé à Valoris, où il a travaillé à Valoris, et de la gravure. Je considère que Priener est un des plus grands graveurs de l'après-guerre en France. Donc, derrière tout ça sous-tendent, je dirais, les notions du temps qui sont différentes, qui se recroisent à l'intérieur de l'exposition. Mais au-delà de tout ça, je crois que c'est intéressant, parce qu'en terminant tout à l'heure le montage de ces photos, je me suis dit, derrière tout ça, il y a une forme de religiosité, de mysticisme, d'eschatologie. Donc l'eschatologie, c'est les théories des fins dernières, c'est qu'est-ce qu'on va devenir une fois mort, est-ce qu'on ressuscite, je ne sais pas, en chien, en âne, en homme, est-ce qu'on disparaît complètement, est-ce qu'on va ressusciter. Là, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant et qu'on retrouve très clairement chez Boltanski, Fontana et Priener. Et je pense quand même que les prédictions ou les pseudo-prédictions de... Personnellement, c'est ce que je crois, de Malraux, sont exactes. C'est-à-dire que je pense que le XXe siècle, XXIe siècle, quand même, il reste quand même un sacré fond de mysticisme, de pensée, et c'est ce qu'on va voir au travers de ces gens-là. Voilà. Alors, sans plus attendre, je m'aiderai de quelque chose surligné, parce qu'à chaque fois, je vais rebondir sur des bouts de texte. N'hésitez pas, je vais tâcher de tenir une heure, hein, je pense sans trop de problèmes, vous me connaissez. Et je vais essayer quand même de vous montrer un petit peu l'intérêt de chacun de ces artistes, voilà, de manière à ce que vous tombez... moi je pense par exemple que la plus belle œuvre qu'on présente ici dans l'exposition, et pourtant il y en a des très belles, il y en a un très beau Richter, on a un très beau Collier, on a un très beau Héros, on a un très beau Villéglé, on a ce petit tableau de Fautrier quand même, je veux dire un otage, enfin c'est un partisan. Mais je pense que l'œuvre qui est probablement la plus expressive, c'est l'œuvre de Christian Boltanski, c'est le mur des Suisses noirs. Je crois que c'est un truc, je crois que ça laisse pas indifférent, et je crois que c'est bien. Et je pense que quand on sait aussi que Boltanski nous a prêté directement cette œuvre, qu'il n'a pas souhaité qu'on passe par une galerie, ça a une signification. Cette œuvre-là, ce mur des Suisses morts, il était au Grand Palais en 2010, quand il y a eu l'exposition Monumenta, pour ceux qui l'ont vu, c'était dans l'entrée. Donc c'est pour dire que ça a un sens très profond. Pour définir un peu Christian Boltanski, donc il apparaît le 6 septembre 1944. J'ai pris, à chaque fois, je prends un petit bout de phrase pour vous comprendre un petit peu qui est l'artiste. Souvent, Boltanski commence ses interventions par « Il y a une histoire que j'aime. Il était une fois. » Et donc, il y a une histoire que j'aime. Cette histoire que j'aime, c'est ce qui va raconter... cette histoire, mais cette histoire, est-ce que c'est, et c'est ce qu'on va voir, c'est entre mythomanie, en quelque sorte, artistique, et réalité, et pesanteur de l'histoire, avec un grand H, en particulier quand on plonge, je dirais, dans les entrailles de la Shoah, et c'est vraiment très fort, Boltanski. Il y a de ça 4-5 ans, quand on avait fait avec Aurélien l'exposition sur Louis Ponce. Louis Ponce vit dans un Capharnaüm effrayant, c'est carrément des tunnels de mine, c'est dégueulasse. J'ai jamais vu un atelier aussi sale que celui de Louis. Et au bout, comme ça, de son atelier, il y avait trois petites photos, et c'était ces photos, comme celles que je vais vous présenter tout à l'heure, qui sont des fausses photos de Boltanski. Enfant. Mais qu'est-ce qui ressemble plus à un enfant qu'à un autre enfant? Est-ce que toutes ces histoires ne sont pas finalement interchangeables? Et c'était très beau de voir ces photographies de Boltanski, alors que dans l'esprit même, quand on se souvient des œuvres, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exposition de Louis Ponce, mais toute l'œuvre de Louis Ponce, c'est des histoires récupérées, c'est des collages, c'est des momies, c'est des petits objets qui sont collés. Voilà, ça va bien finalement avec Boltanski. Dans Boltanski, le contraire de Boltanski, c'est millimétré. Boltanski, c'est, si je puis me permettre, c'est un peu le bordel, c'est un peu sale, c'est extrêmement touchant. C'est comme
les œuvres de Boltanski, c'est comme un mur de graffiti, comme un mur de prison, ça porte des histoires. Voilà. Alors, je vais souligner quelques mots concernant Boltanski. Pouvoir émotionnel, je pense que, voilà, une vitrine de référence de 71. Boltanski dit qu'il est très attaché, en fait, au musée de l'homme, de ses vitrines, dans lesquelles il y a tout un tas d'objets, parfois des vitrines totalement abandonnées, parce que, je veux dire, une vitrine du musée de l'homme, je me souviens d'avoir assisté, quand j'étais jeune conservateur, à des films de Jean Rouch, j'étais même pas encore conservateur, et on sentait quand même que les vitrines du musée de l'homme, c'était comme dans Tintin et Milou, hein, qu'il y avait tout un tas d'objets, tout ça était en désordre. Donc le pouvoir émotionnel, les reliques, Dieu sait que la relique, c'est quand même la grande affaire du XXe siècle, hein. C'est Manzoni avec sa boîte à merde. Vous savez, Manzoni a fait 10 boîtes à merde. Hein. Et ces boîtes à merde, Manzoni, je vous signale, parce que dedans, il y a du coton hydrophile. Hein. Parce que ça ne peut pas voyager, autrement ça explose, hein, c'est une boîte de conserve. Mais l'idée de la relique, on retrouve ça, Riquichaud, qui a des racines à Véronèse, hein. Les reliques, on trouve des reliques partout. La femme de Annette Messager, la femme de Boltanski travaille aussi sur ces idées de reliques. Donc ça, c'est important, les reliques, les choses qu'on garde. L'espace de méditation, donc ça, vous en souviendrez avec les œuvres que je vous dis tout à l'heure, la méditation, c'est la réflexion sur le cours de l'histoire, sur ce que devient l'homme, je dirais les fins dernières de l'homme. Ensuite, la mémoire individuelle, là on y est. Hein. Et puis ensuite, la mémoire collective. La mémoire collective, ben, ce sont les méfaits, le méfait de la guerre. Donc en fait, Boltanski, c'est l'homme qui n'arrête pas de brasser et rebrasser, je dirais, des mythologies, sa biographie, et qui en fait une œuvre d'art. Comment nous-mêmes, qui sommes aussi des anonymes avec notre propre histoire, comment on peut se retrouver dans les objets de Boltanski. Donc là, ici, vous avez une vitrine de référence, donc c'est toute une sorte de série d'objets, et c'est présenté un petit peu comme des éléments qui auraient été retrouvés, je sais pas moi, une catastrophe atomique, ou une maison pillée, qu'est-ce que vous trouvez sur le sol. Voilà, des éléments, des petits cailloux, des petits objets bricolés, une sorte de carte de visite, des photographies. C'est comme des objets archéologiques mis dans une vitrine, avec en plus, je ne sais pas si c'est fait à la DIMO, je ne sais pas si vous vous souvenez de la DIMO, mais les musées ont commencé avec la DIMO, ces espèces de bandes en plastique qu'on imprimait, c'était horrible. Hein. Et voilà cette vitrine de référence. Donc il fait sa propre vitrine et il dit, par exemple, Boltanski, donc le musée de l'homme qui l'a beaucoup marqué, et d'ailleurs le musée de l'homme et le fameux musée Tervuren. Tervuren, c'est le grand musée des arts premiers en Belgique. Tintin, donc Hergé, parce que Hergé c'est Tintin, hein, et vice-versa. Et donc il s'est beaucoup inspiré, Hergé, de Tervuren, où il y avait justement tous ces objets. Et lui, par le musée de l'homme, on y voit dans des vitrines un peu poussiéreuses des objets à l'origine sans vocation esthétique, des objets qui sont des documents plutôt que des œuvres, des objets auxquels le musée a retiré leur valeur d'usage. Voilà. Du moment que vous mettez, par exemple, une pince à épiler, un fer à repasser ou une machine à écrire, comme au MoMA, dans une vitrine, la valeur d'usage disparaît. Et donc, le simple fait qu'elle soit dans une vitrine, vous allez, parce que c'est protégé, parce qu'il y a des gardiens autour, vous allez y apporter de l'intérêt. Alors aussi, l'album photographique de 1946-64, c'est un album photographique, c'est des gamins, c'est des photos qu'il a prises de gamins, comme ça. Alors, ça doit être probablement des photographies qui sont toutes faites au même endroit, qu'il a récupérées probablement dans une brocante ou quelque chose comme ça. Vous voyez bien que tous ces gamins sont différents, et on peut s'imaginer que tous ces gamins sont photographiés là, on peut s'imaginer pourquoi pas qu'il y a une suite logique. Mais c'est vrai que Boltanski, en utilisant ses photographies d'enfance, parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, dénoncer une photographie d'enfant, je veux dire, c'est quelque chose qui touche beaucoup, on peut imaginer qu'il y a une suite logique, on peut imaginer que c'est la même famille. Lui peut dire que c'est lui. Et parfois, il présente des photos comme ça, il dit que c'est lui. Voilà.
Mais c'est intéressant parce que c'est exactement comme des enfants qui sont adoptés. Je sais que je change de sujet, mais c'est réel. C'est-à-dire que des fois, moi, je vois très bien des gamins qui sont adoptés qui finissent par ressembler à leurs parents. Voyez. Donc c'est très très intéressant sur la reconnaissance, la mythologie familiale, l'histoire qu'on veut montrer. On veut témoigner de sa propre histoire en montrant des photographies de famille. Alors ça, c'est la composition théâtrale. Ça s'appelle composition théâtrale. Ça s'appelle en fait le mariage des parents. Voilà. Donc à partir de 1974, Boltanski se met en scène dans ce qu'il appelle des scénettes. Et donc il se met en scène dans les rôles de tous les gens qui se présentent. Donc il y a probablement la mariée à droite, le curé au milieu, et probablement le marié qui est à gauche. Vous voyez. Et c'est formidable parce que finalement c'est une propre histoire qui est racontée avec très peu de moyens et qui raconte une histoire de la société, de la vie des gens, de la vie des gens en société. Donc il se moque de lui évidemment parce que chez Boltanski il y a quand même à un moment donné il y a vraiment beaucoup beaucoup d'humour. Il a fait comme ça beaucoup de bandes comme ça, si bachrome. Donc des bandes avec quelques images où il se représente comme ça dans des situations complètement burlesques. Et il dit d'ailleurs à un moment, ce personnage inventé m'est venu trop lourd, j'ai eu besoin de le tuer, j'ai eu le désir de détruire le mythe et de le détruire par la dérision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la mort du clown, c'est quand même important, hein, de tuer le clown. Il y a une œuvre, je crois que c'est une œuvre de Maurizio Cattelan, je crois. Je crois que c'est ça, qui représente une cire comme ça, pratiquement grandeur nature, et c'est le clown qui est tué avec un marteau. J'ai mis aussi celui-là. Ça, c'est l'anniversaire, la scénette comique. Alors ça, c'est... Je suis content, c'est mon anniversaire. Donc il y a le titre dessous, vous voyez, c'est... Et puis, c'est une photographie de lui qui est rehaussée avec du pastel, voilà. Alors il en a fait toute une série comme ça, de situations un petit peu burlesques, mais qui racontent, je dirais, la vie des gens et les étapes de leur vie comme cet anniversaire. Alors, il y a une chose aussi qui est très importante et qui va changer très rapidement dans l'œuvre de Boltanski, c'est la célébration. Donc, il y a des objets. C'est moi ce que j'appelle, c'est ce qu'il appelle des autels. Bon, on n'a pas retrouvé, honnêtement, j'ai pas eu le temps de retrouver où était cette œuvre, mais c'est toujours pareil. C'est la célébration, en fait, dans des autels domestiques de personnages que parfois il va prélever dans un endroit qu'il connaît, comme par exemple les Suisses morts. Parfois c'est plus mystérieux. Et donc, il fait les autels domestiques où il va mettre donc les visages des gens. Et puis il va mettre donc des petites lumières comme les bougies, mais bien évidemment comme toutes ces photographies sont en noir et blanc et qu'elles sont floutées, on est vraiment dans la disparition. Hein? Donc on est dans la disparition, dans la recherche de ces gens qui sont très loin, si vous voulez. Hein? Ils sont presque fantomatiques. Donc un hôtel domestique, vous allez en Chine, vous allez au Japon, en Chine vous avez l'hôtel domestique. On y pose des bougies, on y dépose des monnaies d'offrande, et puis vous allez prier, hein, et puis vous allez donner également de la nourriture. Je pense que l'hôtel domestique, c'est très important. Et à la fois, l'idée qu'il utilise aussi des images qui sont floutées, un peu comme de la mauvaise presse, etc., ça donne ce côté un peu dramatique des mauvais documents qui étaient publiés dans les années 50, 60, quand la machine offset faisait des points qui étaient gros comme des poids. Hein. Vous voyez, moi je me souviens quand j'étais gamin d'avoir visité par exemple avec mes parents Oradour-sur-Glane. À l'époque, on vendait des documents comme ça. C'était tellement mal imprimé que ça rajoutait encore le mystère de la mort de ces gens-là et la condition dramatique de leur disparition. Ça ajoutait encore du drame par le fait qu'on les voyait mal. Et si vous voyez ces visages aussi, ça vous fait penser bien évidemment aussi au cimetière. Hein. Ici, c'est peut-être, je ne sais pas trop aussi, mais les endroits, en Italie, il y a toujours le portrait du défunt. C'est évidemment, je dirais, un point de repère dans l'œuvre de,
Voilà, donc c'est pareil aussi. Donc c'est peut-être des membres d'une même famille, et donc il y a une espèce de rassemblement comme ça de ces visages. Voilà un portrait de Boltanski. Alors là, c'est pas très visible, mais Christian Boltanski vit dans un capharnaüm innommable. Il récupère tout ce qu'il peut, et vous voyez, il y a des piles de boîtes derrière, toutes ces boîtes en métal qu'il récupère. C'est tout à fait consubstantiel au personnage de Boltanski. Voilà. Et pour moi, en tout cas, Boltanski, c'est certainement un des plus grands artistes français, parce que c'est le seul qui brasse à ce point-là cette espèce de mémoire, ce temps qui nous fait mal, dans le fond, la nostalgie, c'est quelque chose de vraiment étonnant, quoi. Il y a un très beau livre, Boltanski, c'est les entretiens avec Boltanski de Catherine Grenier. Tapez Catherine Grenier, vous le trouverez. Reich Minister, hein, pas cher, négocié. Alors, les Suisses morts. Alors, ce que vous avez dans le musée, s'appelle le mur des Suisses morts. Alors, la réalité objective, c'est que ces Suisses sont bien morts. Hein. Donc, je ne sais pas, là on voit bien ces boîtes de Suisses morts. Là, ce sont les portraits qui sont agrandis. Et contrairement aux nôtres, où nous on a des vignettes, mais nous on a des vignettes parce que nos Suisses morts sont des Suisses qui ont été prélevés. Leurs portraits photographiques ont été découpés dans les faire-part de décès qu'on trouve dans les journaux suisses. Voilà. Donc la seule réalité, ils sont dépourvus d'identité, mais ils sont égaux devant la mort. Voilà. Et c'est le portrait que leurs familles ont mis. Donc c'est très intéressant. Quand on va en Italie, vous voyez partout, dès qu'il y a un décès, vous voyez toujours le portrait du mort, et c'est ça les Suisses morts. Donc c'est présenté avec des boîtes, donc on le voit ici. Ces boîtes, ça donne ce côté un petit peu justement égalitaire de la mort, à la fois le côté nostalgique parce qu'on se demande, aucun des visages d'ailleurs n'a un caractère dramatique parce que c'est des beaux visages, et vous regarderez dans le musée, ce sont vraiment des beaux visages, mais je veux dire, ces gens-là, ils ne sont plus là, et ces boîtes, elles sont vides. Et au-dessus des boîtes, exactement comme les cataphores ou toutes ces lumières en fait qu'on installe dans les cimetières de plus en plus maintenant, vous savez qu'avec des piles et tout ça, et même maintenant avec le solaire, vous pouvez éclairer vos morts définitivement. C'est important, c'est ce qui la lumière, c'est ce qui exprime la mémoire. Voilà, donc les boîtes que vous avez au musée, c'est des boîtes qui ressemblent un peu à celles-ci, c'est des boîtes métalliques rouillées. On a l'impression d'être devant un monument aux morts, en fait, à la fois, mais extrêmement étrange, parce qu'il y a ce côté de vieillissement qui est donné, en fait, par ces boîtes métalliques rouillées. Alors, voilà aussi... Alors ça doit dater des années, je dirais, 90, la galerie des portraits. Alors, ça se trouve au château d'Oiron. Où se trouve le château d'Oiron ? Le château d'Oiron, ça se trouve dans les Deux-Sèvres, à côté de Thouars. Le château d'Oiron, c'est le château des Gouffiers. Les Gouffiers, ce sont des seigneurs de la Renaissance. Et il y a une Renaissance très très belle, d'ailleurs, aussi intéressante qu'à Bournazel. Une très belle Renaissance, avec la galerie d'Ulysse, avec des choses absolument formidables. Mais surtout, on en a fait un centre d'art contemporain. Et on a fait un centre d'art contemporain à Oiron, sur l'idée, à l'époque, c'était Jean-Hubert Martin. Et l'idée, c'était de faire un centre d'art contemporain sur l'idée du cabinet de curiosité, qui était quand même une spécialité des princes du XVIe siècle. Donc là, Christian Boltanski a fait une commande publique, et c'est les écoliers d'Oiron. Donc il est allé photographier tous les écoliers d'Oiron, et il les a intégrés, donc par série, comme ça. Il les a intégrés, donc ceux-là ne sont pas morts. Il les a intégrés, en fait, dans les lambris, en fait, de cette pièce, donc les écoliers d'Oiron. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que très régulièrement, par exemple, ils se retrouvent à Oiron, et il y a tous ces visages qui sont là, qui leur rappellent, il y a 15, 20 ans, donc on est encore sur la mémoire et sur le temps, ces visages. Voilà les écoliers d'Oiron. Ils sont tous photographiés à peu près de la même manière. Dans la même série, d'ailleurs, au même endroit, j'ai pas pu m'empêcher de le présenter. Il y a un autre artiste qui est présenté à l'exposition, qui est Daniel Spoeri. Alors Daniel Spoeri, il est suisse. Et Daniel Spoeri, contrairement à Boltanski, lui travaille bien sûr sur la mémoire, mais il travaille sur une mémoire qui est avérée.
C'est-à-dire que, par exemple, toutes ces assiettes qui sont ici, c'est les profils de tous les habitants de Oiron, qui se retrouvaient tous les ans pour manger à Oiron, et donc chacun avait son assiette. Voilà. Et c'est intéressant, parce que ça marque dans le temps l'histoire de ces personnages. Donc je pense qu'il y a le phylactère avec le nom en dessous, et il y a l'assiette à côté. Voilà. Quand on sait que Spoerry, lui, va mettre en scène des pique-niques, hein, c'est lui où les gens vont manger sur une table, on va garder les assiettes en l'état, et ensuite on va coller les assiettes, on va redresser la table et ça va devenir un tableau. C'est une mémoire vive, active. Dans l'exposition ici, vous avez la mémoire de toutes les sources lustrales de Bretagne. Donc ça, c'est une mémoire réelle et non pas fantasmatique, très souvent, comme celle de Boltanski. Alors personne de Monumenta. Je veux juste. Enfin, c'est l'idée du jugement dernier. Alors, il n'y a personne, il y a S à personne. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, évidemment, ça se présente sous la forme. Ça, c'était Monumenta en 2010 dans le Grand Palais. Ça se présente sous la forme de vêtements qui sont sur le sol. Un gros tas de vêtements qui est au fond. Alors, on ne le voit pas ici, mais on le voit là. Vous avez un. Enfin, il faut imaginer qu'il y a dans le paquet de vêtements qui est là, vous avez une espèce de grue qui permet de faire bouger tous ces vêtements et les faire toujours se remélanger, si vous voulez. Et puis vous avez ces vêtements qui sont là. Il y a du son, hein, il y a un battement de cœur, il y a de la lumière. Il se passe quelque chose autour de tout ça. Mais évidemment, dans la mémoire collective, quand on voit tous ces vêtements, on pense immédiatement au tas de vêtements, au tas de dents, au tas de valises qu'il y avait dans les camps de concentration. C'est pour ça que personne est vraiment, je pense, le plus bel hommage que puisse faire Boltanski à ces millions de morts de la Seconde Guerre mondiale. Bien que lui le reconnaît, mais voit un côté beaucoup plus universel à ce qu'il fait. Alors, voilà, c'est ce qu'il met. Prêcheur, mais pas justicier. L'artiste situe sa création dans une perspective eschatologique, donc les fins dernières, qu'est-ce qu'on devient une fois mort, s'inscrivant en cela dans la lignée des grands poètes de l'interrogation du mal, Dante, Baudelaire, Lautréamont, Ezra Pound, Jean Genet, William Faulkner, Pierre Cuilletta, tous ont puisé dans la matière incarnée de l'horreur sa puissance de questionnement du vivant et de l'homme. Boltanski, en transformant le Grand Palais en un gigantesque lieu de lamentation, parle de la voix de Job, la figure tutélaire des poètes, les lamentations de Job. Alors Job, il est représenté au XVIIe siècle, mais très curieusement, il est beaucoup représenté en peinture au XIXe siècle. Job est véritablement la conscience humaine qui effectivement nous entraîne sur la misère, sur la pauvreté, pauvreté humaine, etc., et sur les fins dernières de l'homme et ce que l'homme peut faire, parce que Job... Il voit les catastrophes à venir, hein. Il est malheureux, quoi. Et c'est pour ça que Monumenta, je pense que c'est certainement peut-être l'œuvre de Monumenta qui s'appelle Personne, c'est certainement l'œuvre la plus importante. Voilà Monumenta. Alors, Lucio Fontana. Alors, Lucio Fontana, italo-argentin, devant mes tailles, c'est-à-dire mes entailles, hein, sous-titré Attente, je me sens. Un homme libéré de l'esclavage de la matière. Qui est Fontana? Alors, j'ai mis cette photo-là parce que je crois que c'est quand même important de comprendre que l'après-guerre est une période mystique. Alors là, cette image, tout le monde la connaît, c'est le saut dans le vide d'Yves Klein. Alors il y a 15, 30, 40 photos différentes du saut dans le vide d'Yves Klein, 1960. C'est une photo complètement maquillée, parce que je vous signale qu'à l'angle, normalement, il y a un matelas. Mais, on s'en fout du matelas. Ce qui est intéressant, c'est l'imaginaire. Yves Klein, c'est quelqu'un qui est proche des situationnistes, c'est quelqu'un qui est aussi dans une forme... Il est très très proche de la religion catholique, proche des chevaliers de Jérusalem, etc. C'est vraiment... Il faut quand même penser qu'après-guerre, tous ces gens-là sont des gens, j'en reviendrai tout à l'heure sur Gurdjieff et tout ça, sont des gens quand même qui en ont dans le cigare, si vous voulez. C'est pas, ils s'interrogent. Donc l'histoire du saut dans le vide d'Yves Klein, c'est rapport
à sa propre peinture. C'est l'apesanteur, bien sûr, la légèreté, l'angélisme, le côté mystique de ses couleurs, dans le doré de ses couleurs, dans ses figures. Voilà. Donc je trouve que c'est une photo absolument emblématique, emblématique de ce qui va se passer après, d'une part avec Yves Klein, mais avec les autres artistes. Et si je le mets avec Fontana, c'est parce que Fontana, c'est quelqu'un qui s'interroge beaucoup. Alors Fontana, il a plusieurs vies. Fontana, il va vivre en Italie, ensuite il va revenir en Argentine. En Argentine, il va faire beaucoup de sculptures. Donc là, ici, vous avez ici une sculpture qui est une sculpture une sculpture présentée au musée d'art moderne de la ville de Paris. Pour ceux qui ont eu la chance de voir cette exposition Fontana, la première salle, il n'y avait que des sculptures en terre cuite. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que la sculpture en terre cuite, c'est d'abord une tradition, Faenza, etc., l'Italie, mais c'est aussi une tradition quand même qui va perdurer à l'époque du fascisme et qui va rester très importante pour les artistes italiens à la fin de la guerre. Il faut savoir que Fontana va continuer à faire de la terre cuite après-guerre, mais il y a des artistes comme Pino Galizio, par exemple, italien également, de Patelin, où on fait les chocolats. Ferrero. Ivrea, c'est machine écrire. Enfin, qu'importe. En tout cas, il y a cette tradition. Donc, il y a ces sculptures qui sont quand même très intéressantes, qui ne sont pas forcément connues de Fontana, mais si on regarde bien les œuvres de Fontana et ses sculptures, il y a une espèce de déréliction dans la sculpture, des trous partout, des formes un peu baroques avec une espèce de dentelure, une sorte de destruction de la sculpture qui est vraiment très intéressante et qui est complètement hors norme. On ne peut pas comparer une sculpture de Fontana de 35, comme celle qui est ici, avec les sculptures d'Arnaud Brecker, allemand. Alors évidemment, Fontana n'a strictement rien à voir avec le service du régime nazi, mais lui va fuir, va rester en Argentine pendant la Seconde Guerre mondiale et va revenir en Italie après. Et va continuer à travailler sur un art géométrique, mais sur un art qui cherche à la fois l'espace, la distance et le temps. Voilà. Et donc, il va trouver, je dirais, sa planche de salut avec l'entaille, hein. Donc la taille, je ne sais pas comment on peut dire, T-A-G-A-I, qui peut me dire ça. Voilà. Et donc, et on le voit ici, donc avec sa lame, qui va ouvrir ce tableau. Alors, voilà ce que dit Fontana. Il dit, mes entailles sont par-dessus tout une expression philosophique, un acte de foi dans l'infini, une affirmation de spiritualité. Quand je m'assois devant l'un de mes tagli, je me sens un homme libéré de l'esclavage de la matière, un homme qui appartient à la grandeur du présent et du futur. Il faut donner au terme atezza, attente, un sens double pour désigner à la fois la concentration maximale de l'artiste dans la préparation de son geste, c'est-à-dire qu'il y a un côté religieux, c'est pas du tout saccager une toile avec un poinçon ou une lame. Et donc c'est ce qu'il veut dire, la préparation de son geste, et la contemplation par lui-même de la surface monochrome fondue comme image de l'infini. Donc en fait, si je puis me permettre, les concepts spatiaux de Fontana sont extrêmement intéressants parce que c'est un moment X où l'espace et le temps se rejoignent, c'est-à-dire par le geste et par la traversée de l'espace et par la traversée de cette surface qui va au-delà du tableau. C'est une porte ouverte, si vous préférez. Et ça, c'est quelque chose qui est important de le comprendre. Et il y a une chose aussi qui est très importante de comprendre, et c'est pour ça aussi que je vous ai montré Yves Klein tout à l'heure, c'est que, et on le voit très bien en bas, il y a un orange absolument merveilleux sur cette œuvre de Fontana. Il commence d'abord par poinçonner les œuvres, et dans les années 60, il va les entailler. Hein. Et donc, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est le côté très, très propre à une couleur,
une couleur presque mystique, c'est-à-dire des couleurs qui sont des couleurs basiques, un petit peu comme Yves Klein va sélectionner une couleur, mais il va y en avoir d'autres, qui est l'IKB, qui est le fameux bleu Klein. Et c'est pour ça que je vous présente celle-ci, parce que je crois que là c'est particulièrement clair. Voilà. Donc après, on peut toujours dire que, évidemment, Fontana, c'est quelqu'un qui recherche le temps. C'est un des derniers, à mon avis, à avoir une véritable réflexion, à être véritablement un philosophe. Il recherche le temps par la traversée de l'espace, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est un artiste majeur. Et c'est pour ça aussi que devant n'importe quelle œuvre de Fontana, vous en voyez une, vous en voyez 20, vous en voyez 30. Vous n'avez pas besoin d'en voir beaucoup, mais par contre, il y a toujours une grosse émotion face aux œuvres de Fontana. Alors là, on le voit ici, poinçonné, voilà, ses œuvres. Alors Fontana, il est très classe, hein, il est toujours très bien habillé. Donc il le fait devant des spectateurs, voilà, avec son poinçon. Et évidemment, concept spatial, anilin sur toile. Là, c'est une toile qui est, spatiale et space aussi. Hein, parce que ça, on l'a repéré aussi chez Fontana. Vous voyez cette chose-là, est-ce que c'est une carte du ciel, est-ce que c'est la lune, est-ce que c'est... voilà. Et c'est d'autant plus intéressant que cette peinture, la photographie, ne lui rend pas bien service, mais c'est une photographie qui est faite sur du doré. Donc le doré est la couleur de la divinité, Frangelico. Hein. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'il était ami aussi avec Yves Klein. Ça, c'était à peu près le même milieu. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et alors, les concepts spatiaux, de notre ami Fontana intéresse beaucoup Soulages, sauf que Soulages lui n'arrive pas à traverser la matière. Par exemple, si vous allez dans le musée Soulages, vous allez voir que dans la salle Outre-Noir, vous allez avoir un deuxième Outre-Noir aussi de 2009 avec justement ces espèces de cupules. Il y en a un de 2014, on a l'impression que la matière est traversée, mais chez Soulages elle n'est pas traversée. Le temps est quand même contenu dans cette espèce de cupule, dans cette espèce de coupelle, qui est véritablement une marque aussi de réflexion sur l'infini, etc. Tout à l'heure, j'étais avec les guides, on discutait de tout ça, et je pense que s'il y a une œuvre de Soulages où on peut dire, non pas n'importe quoi, mais de toute façon, on peut toujours dire n'importe quoi devant une œuvre, mais où on peut comprendre un petit peu que certains disent c'est la lune, certains disent c'est des flaques, certains disent c'est des crevasses. Quand on les regarde bien, c'est pas des crevasses, parce que c'est en surface, quoi. Donc je trouve que c'est assez magique. Voilà. Alors si, ça, il en a fait aussi, donc, la fin de Dieu. Donc, il a fait sur des panneaux de fibres de bois, où il va, comme ça, défoncer. C'est comme si, avec le même poinçon, vous savez, on s'amusait à ça avec les comment on appelle ça, pour les cahiers. Quand on mettait des perforeuses hyper fort, et par endroits, ben, ça va s'ouvrir. Il y a des couleurs aussi qui sont les couleurs de l'amour, comme le rose, hein, ça il l'assure, les couleurs de la tendresse, les couleurs de l'amour, parce que pour Fontana, il y a un rôle social de la peinture, mais il y a un rôle sociétal aussi, de donner aux gens, je dirais, du plaisir, et de vivre dans une société qui est belle. Voilà. Fontana, c'est tout, ça c'est purement italien. C'est-à-dire de vivre dans une belle société, avec des beaux objets, avec des belles personnes, avec des gens éduqués. Et c'est ce qu'on trouve chez n'importe quel, je dirais, ouvrier agricole italien. Il sait qui c'est, Léonard de Vinci. Hein. Et ça, c'est quand même une chose qui est quand même intéressante. Fontana, c'est un dernier artiste qui s'inscrit encore, je pense, dans le champ du social. Alors, il a fait aussi des Natura, donc c'est le même principe. Sauf que là, c'est des poules de terre. Donc, il revient à son premier amour. Donc là, la première est cuite en oxydo-réduction. Donc, vous avez un noir très, 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 très mat, comme ça. C'est un noir très particulier. Puis il y a un autre où il y a un engobe qui fait, comme ça, dorer cette surface. Et là, on retourne un petit peu comme... chez, par exemple, dans Alexandre Calder, hein, dans les années 30. On retourne sur l'idée de la planète, de la vie, du mouvement des planètes, de la vie qui va s'installer, etc. Voilà pour Fontana. Moi, je pense que c'est un très grand artiste. On a eu la chance, un jour, il y a 3 ans, d'avoir cette grande exposition Fontana au musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est rarissime, parce que c'est un artiste rare et difficile à emprunter. Gérard Gasiorowski. Vous me laissez encore une demi-heure ? Bon.
Gazio, pour les intimes. Vous êtes fou, Gazio, Gazurovski. Il faut vous ressaisir. Toute la vie de Gazurovski aura été marche en avant, marche en arrière, superposition, provocation, amour. C'est voilà. Quand on sait, par exemple, qu'un des meilleurs amis de Gazurovski, c'est Bernard Lamarche-Vadel, ceux qui ont connu Lamarche-Vadel, qui était quand même le grand critique d'art de la figuration libre de ces gens-là, puis qui était un philosophe, hein. C'est intéressant. Alors j'ai deux propos de Gazurovski qui, moi, m'intéressent. J'essaie cette panne en 1953, la peinture pratiquée à l'époque m'ennuyait vraiment. L'école de Paris battait son plein, donc l'abstrait. Ce n'était pas mon histoire. Ce qui me gênait à l'époque, c'était l'aspect cuisiné de la peinture. Un certain masochisme que j'ai toujours pratiqué m'a fait préférer une compagnie d'assurance. Cette éclipse a duré 10 ans. C'est-à-dire qu'il a arrêté de peindre pour revenir à la peinture dans les années 60. Voilà. Alors que vous allez tout à fait comprendre qu'il y a une qualité, de technique de peintre tout à fait exceptionnelle. Et une grande variété dans sa peinture. Et ensuite, il dit aussi, l'arrivée du pop art à Paris m'a permis de repeindre. Une image nouvelle, l'évidence de l'image, voilà ce qui m'a excité à travers Warhol, surtout, Liechtenstein aussi. Avec Warhol, l'évidence pour moi fut de travailler sans la couleur. C'est-à-dire que quand il dit travailler sans la couleur, c'est les chaises électriques de Warhol, c'est les sérigraphies, hein, les chaises électriques de Warhol, c'est les car crash, hein, c'est les accidents de bagnole, voilà. On ne peut pas imaginer, dans les années 60, il y a deux galeries américaines qui s'installent à Paris. Il y a d'une part la galerie Ileana Sonavent qui est rue Jacques Callot, et puis il y a une deuxième galerie qui est à proximité, toujours à côté de l'école des Beaux-Arts, c'est la galerie de Dartea Speyer, pour ceux qui s'en souviennent, tout en verre vitré. Et dans les années 60, tous ces jeunes artistes qui travaillent autour de l'école des Beaux-Arts voient débarquer en France Liechtenstein, Rauschenberg. Et c'est complètement fantastique, quoi. Je veux dire, il se passe vraiment quelque chose. Et Gazurovski, il fait partie de cette génération. Alors, il commence... Oh, j'adore Gazio. Voilà Gazurovski. Alors, les photos de Gazurovski, il y a des mises en scène de lui-même, beaucoup, comme ça. Personnage hirsute, qui passait pour avoir un très mauvais caractère et être très, très difficile à gérer. Toutes les œuvres de Gazurovski et toutes les expositions ont été faites à la Galerie Macht. Et donc là, c'est l'époque où il fait ses pots de fleurs, donc on en parlera tout à l'heure. Voilà un portrait de Gazurovski, je pense que c'est intéressant de montrer le personnage. Et voici par exemple une des peintures de Gazurovski. Là, c'est la série Approche. Donc la série L'Approche, c'est toujours des morceaux de texte qu'il va récupérer dans des journaux avec des commentaires. Et donc c'est l'époque où en effet, il peint en noir et blanc, comme ce que je vous ai dit, par rapport à ce qui a été dit sur le pop art. Je vous montrerai d'autres photos tout à l'heure d'un de ses habits, et vous comprendrez tout de suite. Donc L'Approche mondale, une ombre toute la fortune du monde et mon amour dessus comme une bête nue. Voilà. Donc c'est un personnage qui est pas en noir et blanc, c'est une photographie probablement qui a été recopiée et repeinte, parce qu'il peint bien. C'est complètement hors contexte, parce que ce personnage qui est en mouvement, il se trouve devant un fond qui est vide, on a l'impression qu'il est en lévitation. Il a un style de bain qui est très bien calibré, il est costaud, il a pas de visage. Et à la fois, il exprime un temps infiniment perdu, si vous voulez. Un temps qu'on pourrait reconnaître comme étant le temps des années 60. Mais voilà, dans Gazurovski, le temps est partout. Hein. Le temps du grotesque, le temps de la mort, le temps de l'amour, le temps de la guerre. C'est une sorte de chroniqueur, finalement. Je ne pense pas qu'il aurait aimé qu'on dise ça, mais je crois que c'est ce qu'on trouve dans son œuvre. Voilà aussi le voyage à Mozart de Prague, ça c'est très connu aussi, je crois que c'est au centre Pompidou. Donc c'est tous ces personnages comme ça, en noir et blanc. Donc on voit très bien le rapport de la peinture avec le mass-média. Le mass-média, c'est les journaux. Les journaux, par leur brutalité, expriment quelque chose aussi sur le temps. Hein. On était avec Aurélien, on parlait de l'affaire Foldès, mais l'affaire Foldès, c'est quand même bien aussi une notion du temps. Qu'est-ce qui se passait ? On a beaucoup de mal à imaginer ce que c'était le temps au 19e siècle, au 18e siècle. Par exemple, je vous donne juste un exemple pour vous faire comprendre qu'une image qui est très proche peut vous devenir très lointaine. Par exemple, au 19e siècle, tout le monde pense que les voies de communication, c'est compliqué. Mais attendez,
Vacher, Joseph Vacher, le tueur, vous savez, le jugé l'assassin, il faisait 80-90 km par jour. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il tuait une bergère, avant qu'il le retrouve, il était déjà parti très loin. Donc si vous voulez, cette notion de temps, c'est toujours intéressant. Un temps très proche, un temps très loin, voilà. Donc là, ce qui est mystérieux dans ces choses-là, c'est que le voyage de Mazar, donc on a tous ces personnages, on ne sait pas trop où il a piqué ces personnages-là. Il y a Mozart, bon, Mozart, on peut imaginer que c'est le personnage qui est au milieu, ils sont un peu grotesques quand même. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi, voilà. Dans quelle histoire on est? Alors voilà, le grand ami de Gazio, c'est Jacques, hein, Jacques Monory. Voilà, Jacques Monory, né en 1900, je crois, 27. Et Jacques, ça, c'est une photo qui a été faite lors de son premier voyage aux États-Unis, enfin une peinture qui a été faite lors de son premier voyage aux États-Unis. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, Monory, c'est l'homme de l'image. Monory, il est photographe, il travaille pour Paris Match, il travaille pour... et donc, dans sa propre peinture, il y a toujours ce rapport à une histoire qui est datée, c'est-à-dire les lunettes noires, machin, tout ça, et quelque chose qui échappe, quoi. Gazurowski, alors, ça va dans la ligne droite de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes fou, Gazurowski, il faut vous ressaisir. Alors, Gazurowski, il a un point commun avec Bernard Buffet, c'est que Bernard Buffet, tous les ans, il avait sa galerie, il avait son expo chez Maurice Garnier. C'est-à-dire que tous les ans, Bernard Buffet, c'est le seul point commun, hein, je vous rassure. Bien que j'aime bien Bernard Buffet, il est toujours chouette. Et c'est-à-dire que tous les ans, il considérait qu'il fallait sans cesse revivifier la peinture et travailler sur la peinture et travailler sur la matière, etc. Il considérait qu'il fallait refaire quelque chose de nouveau, tout le temps, faire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la série des croûtes. En fait, c'est une œuvre de 70. Donc le principe des croûtes, c'est extrêmement simple, c'est qu'il va chercher une photographie d'une croûte. Qu'est-ce que c'est qu'une croûte? C'est une peinture de très mauvaise qualité qu'on repère chez les autres, mais pas chez soi. En gros, hein, c'est ça, croûte. Et donc le principe de la croûte, c'est qu'elle est croûteuse. Et donc elle est épaisse, elle est laide, elle est pleine de flatulence, hein. C'est pas beau une croûte, hein. Puis c'est mal dosé, il y a beaucoup d'huile, ça soigne de partout, c'est dégueulasse, on dirait que c'est fait à la végétaline parfois, hein. Et lui, donc, il fait des croûtes, il va chercher des images qui sont des images classiques qu'on trouve dans les salons, dans les cartes postales ou les posters, voire pourquoi pas, vous savez, ces choses qu'on pouvait trouver, ça existait encore, ça, les... Vous savez, les tapisseries aux petits points, il y avait plein de petits trous, puis on faisait des cerfs à l'orée de la nuit, un poubeau, enfin oui, ce genre de choses. Mais justement, c'est drôle, enfin je veux dire, au deuxième degré, c'est drôle, moi je ne suis pas... Alors bref, lui, il prend une croûte, et après, il fait sa croûte, il repeint cette chose-là, mais il ne repeint pas sur la croûte, il l'imite. Et après, il la repeint par-dessus. Alors des fois, sa croûte, il peut la repeindre 3-4 fois. C'est pour ça que la croûte de Gazurowski peut avoir une sacrée épaisseur, si vous voulez. Et donc, c'est tout à fait fascinant de voir, comme ça, toute cette série de croûtes qui, à la fois, sont attachantes, mais sont ignobles. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des fois, dans des choses ignobles, qui vous disent, c'est impossible, quoi. Eh bien, vous y trouvez une grâce, quelque chose de tout à fait étonnant, quoi. Donc, la série des croûtes, évidemment, fallait y aller, quand même, dans les années 70, où tous ses amis, à lui, étaient des artistes qui étaient autour de la figuration narrative, donc des artistes qui avaient plutôt tendance à travailler sur l'hyper-réalisme, donc sur l'imitation de la photographie, ou sur des représentations qui avaient à voir avec les mass médias, c'est-à-dire les journaux, la télévision, le cinéma, les magazines. Voilà, alors ça c'est la guerre. Alors ça c'est la photographie de la guerre aussi, alors c'est encore Gazio. Alors Gazio, même sa tête, en fait, c'est une œuvre d'art. Hein. Je trouve que, voilà. Alors là, Gazurowski, parce qu'à un moment donné, il découvre que la guerre, c'est terrible, etc. Donc, il est en train de se faire une petite guerre, là, sur une table avec des tanks. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a le personnage qui est en train de faire le truc, et que c'est comme si c'était une espèce d'histoire, et que lui est en train de disparaître derrière ces objets. Alors derrière tout ça aussi, il y a beaucoup de dérision, mais il y a beaucoup de sérieux aussi, quoi. Gazurowski, quelqu'un qui écrit. Gazurowski, c'est quelqu'un qui est l'ami de gens de littérature. Il lui arrive très très souvent d'emprunter des morceaux de texte de Baudelaire, de Balzac, etc. Il y a des titres, Colette,
Ça serait pour toi, ça, parce qu'il y a plein de références à Balzac, il y a plein de références... et voilà. Alors voilà ce que ça donne, la guerre. Donc la guerre, c'est sa maquette, là, qu'il a terminée au Sud. Ça, c'est une reconstitution de la guerre de 1974. Et puis derrière, vous avez tout un tas, il faut me croire, de peintures très réalistes qui représentent des tanks, des avions. Et parfois, ben, il va coller des tanks miniatures, comme ça, sur les peintures. Voilà. Donc on est dans la dérision, on est dans l'abondance, mais on est dans quelque chose comme ça, quand même, qui ne vous met pas complètement à l'aise. Ça, c'est les Académies Vorosis. Alors, c'est très compliqué. Puisque Gazio change très régulièrement d'œuvre, il invente des académies dont il est le seul patron et le seul représentant. Donc, Académie Vorosis, c'est une académie dans laquelle il est censé être le patron de cette académie. Ensuite, la série des chapeaux, c'est évidemment un hommage à Magritte. Et puis ensuite, Kiga, c'est aussi, il invente en fait des mythes. C'est-à-dire que, c'est là aussi, on rentre dans le thème de l'histoire. Je veux dire, les surréalistes ont inventé des mythes dans les années 30. Si vous regardez bien les œuvres d'Yves Tanguy, de Max Ernst, etc., on invente des personnages avec des mythes, des peuplades. Raoul Lubac aussi, vous voyez. Et là, voilà. Donc, et c'est toujours aussi dans la répétition, voilà. Donc quand il est dans une académie, comme ça, ça peut durer, comme ça, pendant des années et des années. Et à la fois, c'est très plaisant et très étrange, voilà. C'est des peintures sur papier. Ça, c'est les autoportraits à grosses lunettes, donc c'est son portrait à lui. Il part toujours de son visage, et à chaque fois, son visage va être décliné de manière un peu grotesque, avec des grosses lunettes, avec des choses comme ça, mais de manière assez, quand même aussi, assez stupéfiant, quoi. Stupéfiant. Veut dire provoquer la stupeur, méduser, hein. Donc voilà, Gazurowski. Donc effectivement, quand Isabelle Mack me disait que quand il faisait l'exposition Gazurowski, il n'y avait rien. Ah oui, parce qu'il y a une répétition, beaucoup d'œuvres, et à la fois un type qui se regarde aussi comme ça, qui met sa propre histoire, qui s'intéresse à l'histoire mondiale, qui a un avis, qui est provocateur, c'est pas facile à vendre. Alors il y a aussi la série des fleurs, alors les fleurs en peau, très bizarre aussi, de 73 à 82. Alors là, c'est très connu, mais les fleurs en peau sont toujours un peu inquiétantes aussi chez Gazurowski, parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas de tige, il n'y a rien, et les fleurs sont comme des taches en fait, hein, c'est comme des têtes en fait, hein, les fleurs. Et voilà, on arrive à Préhistoire et Arsaïte, l'œuvre qui se trouve au musée. Donc les cérémonies. Alors les cérémonies, l'histoire des cérémonies, c'est Gazurowski, qui est un extrêmement cultivé, se plonge dans l'histoire de l'art. Il se plonge dans l'histoire de l'art, et donc il essaye, dans cette histoire de l'art, de convoquer, en quelque sorte, de rassembler les images qui parlent, en fait, au travers du temps. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un temps très ancien qui est retravaillé par un artiste des années 80. C'est ça. Les cérémonies. Et les cérémonies, c'est tout un tas de sujets iconographiques de l'histoire de l'art qui sont mélangés comme ça et qui deviennent des choses complètement improbables, absolument difficiles à lire, mais avec quand même, si vous regardez cette œuvre en bas, elle est formidablement bien peinte, elle a une grande unité de gris, de noir, de blanc, c'est vraiment une œuvre remarquable. Et alors, Préhistoire et Arsaïte. Alors, comment on fait cohabiter et donner une histoire, créer une histoire en quelque sorte, avec des choses qui n'ont rien à voir. À droite, vous avez la Vénus de Locelle, qui est une valise, une Vénus, pas une valise, une Vénus Callipiche, donc je crois que la Callipiche est celle qui a les grosses fesses, hein, c'est ça. Et elle n'a pas que les grosses fesses. Hein. Et puis, c'est la Vénus à la corne. Elle demande à sa main droite, elle a une corne, c'est l'abondance. Donc, c'est une Vénus préhistorique de Locelle, qui se trouve au musée d'Aquitaine à Bordeaux, très très connue, une des fameuses Vénus qui sont, on va dire, qui appartiennent à l'histoire et à la naissance de l'humanité. Et à côté, il va mettre une figure d'Arsaïte. Alors l'Arsaïte, c'est un art particulier. Alors je sais que c'est de la 26e dynastie égyptienne. Hein. Et vous avez une forme d'Horus ici, une sorte d'Oran. Voilà. Et donc là, vous avez un temps dans lequel on ne se retrouve pas. C'est pas possible qu'ils se croisent un jour, quoi. Et à la fois, et une espèce de densité, parce qu'on a l'impression que cette cérémonie se fait, que tout ça, ça coule de source, si vous voulez. Exactement, par exemple, une cérémonie, alors là, c'est à partir de Lascaux. Voilà. Il recopie
l'idée qui se fait d'une fresque de Lascaux. Et les chemins de peinture, ça c'est les dernières œuvres de Alors vous imaginez que tout ça, c'est encore, évidemment, je pense que c'est encore à la galerie Mac, parce que ça n'a pas été vendu, mais c'est une peinture qui ne s'arrête jamais, quoi. Vous voyez, la peinture en rouleau qui est là, avec des éléments figuratifs, des collages, une immense peinture qui raconte une histoire. Voilà. Alors, Gérard Gazurowski mériterait, à mon sens, je dirais, une présentation un peu plus longue, mais j'ai encore un quart d'heure, donc je vais terminer par Anton Pliner. Voilà. Alors, Anton Pliner, né Antona Pliner à Budapest en 1902, monté à Paris en 1927, réfugié en gros de 1939 à 1945 dans son petit atelier rue Pernetti, où on lui donnait à manger, comme elle était juive, on lui donnait à manger dans du papier journal. Alors, elle avait deux trucs compliqués. Il avait deux trucs compliqués, parce qu'Anton Pliner était une femme. Donc, du moment que Anton Pliner a décidé d'être une femme, tous ses amis n'ont plus jamais dit elle, donc je dis il. Hein, et que dans tous les dictionnaires, je veux que ce soit Pliner. On va pouvoir parler de tout ça après, parce que c'est très intéressant. Et donc Anton Pliner arrive à Paris, et arrive avec André Kertész, avec tous ces grands artistes, Arpachenès, tous ces grands un peu plus tard, tous ces Hongrois, hein, comment il s'appelle, enfin tous les Hongrois de Paris, voilà. Et il va faire sa propre carrière de peintre, de sculpteur, dans un dénuement le plus total. Voilà. Un jour, j'espère pouvoir, qu'un jour on puisse faire cette représentation ici. Anton Pliner a écrit un livre en 47 qui s'appelle La femme tondue. Donc c'est facile à comprendre, La femme tondue, c'est l'histoire d'une femme qui est tondue, la libération. Je veux dire, Pliner parlait un mélange de hongrois et de français, avec beaucoup de gros mots. Hein. Genre bidan ou des choses comme ça. C'était quand même, mais en hongrois, je ne sais pas ce qu'on comprenait. Une petite femme qui mesurait 1m50, habillée en homme, et toujours dans le dénuement. Alors, il y a beaucoup de textes sur Pliner, mais j'ai choisi quand même deux passages. Le premier, c'est « Je suis un ascenseur ». Alors vous allez comprendre pourquoi je suis un ascenseur, parce que je vous fais passer vous pour votre condition de terrien au travers du temps. C'est pour ça que le temps chez Pliner, c'est très très important. Et je vous emmène, c'est les Égyptiens, je vous emmène, voilà. Donc ça, je suis un ascenseur. Donc, on a toujours considéré, Pliner a toujours considéré, je dirais, le mysticisme comme un ascenseur. Et après, je trouve enfin, fantastique, on ne peut pas vendre la manne dans les épiceries. Ça, franchement, c'est génial. Quoi. Vous savez ce que c'est que la manne. Donc, je veux dire, chez Pliner, des régimes à manger du riz pendant 3 mois, ou des figues, mais à prendre 3 bouteilles de rouge au même moment. Mais, donc, c'est un personnage vraiment incroyable. Une photo de Pliner, pour que vous compreniez. Voilà. Ça, c'est une photo qui a été faite par mon ami André Villers, qui est un des photographes de Valoris. Vous savez qu'à Valoris, il y avait deux grandes... Il y avait Madoura, donc on faisait de la terre cuite, et on avait aussi, le tapis vert, on faisait également la terre cuite. Et ces deux se tiraient la bourre, et d'un côté, il y avait une partie dont Picasso qui était à Madoura, mais Picasso était quand même très exigeant, et de l'autre côté, il y avait tout un tas d'artistes, dont Pliner, qui travaillaient et qui vivaient sur une paillasse comme ça, au tapis vert, où ils faisaient plus ou moins le grouillot. Et il faisait des œuvres d'art. Il a fait aussi beaucoup de terre cuite. Donc voilà Pliner, 1m50, toujours son béret et des grandes oreilles. Voilà. Voilà, c'est une photo aussi de Pliner dans la rue Pernetti. Donc Pliner vivait dans un sous-sol. Et au premier plan, donc il y a toujours la mèche, il y a toujours le béret. Et c'est la femme aux grandes oreilles. Tous les personnages de Pliner, comme Pliner parle du temps, quand il parle du temps, c'est le temps humain et le temps des dieux, si on veut. Toutes les représentations qu'il fait sont à la fois lui, c'est particulièrement clair ici, vous voyez, c'est lui, Pliner, c'est Dieu, et c'est lui, et c'est l'homme. Imaginez que ce petit personnage, Picasso disait, Pliner peut faire une statue de 5 mètres, et peut réduire un tronc en un cure-dent. Hein.
C'est-à-dire que Prinert, tout petit, s'attaquait au coutelas, hein, mais que je vous dis au coutelas, c'est avec un simple canif, s'attaquait à un tronc et faisait des œuvres d'art. Ça paraît impensable, mais je vous assure que c'est vrai, parce que ces œuvres-là, moi, je les ai fait rentrer au musée d'Issoudun, hein, et je peux vous garantir que tout ça est vrai. Donc, c'est toujours très, très intéressant que ce visage qu'on voit ici, c'est un visage androgyne, bien entendu, avec des grands yeux. Le visage, c'est la femme aux grandes oreilles. Et c'est pas la dame aux grandes oreilles, c'est la femme aux grandes oreilles, et devant, il y a Prinert. Voilà. Toujours habillé pareil, toujours avec le béret. Alors, pourquoi? Parce que là, on a fait plein de trucs là-dessus. On a pu parler aussi des LGBT, des choses comme ça, par rapport à Prinert. Je crois que ça n'a rien à voir avec ça. Prinert arrive en 1927, femme, sans un rond, avec beaucoup de talent, dans un milieu d'hommes, dominé par des gens, pas forcément des poètes, comme Brancusi, des gens comme ça, hein. Ou quand on est sculpteur, comme Rodin, on est une espèce de force de la nature. Donc pour survivre dans ce monde d'hommes, il faut s'habiller en homme. C'est exactement comme Jeanne d'Arc, hein, s'habille en homme, voilà. Mais Prinert, et à côté de ça, ne fait pas que de la sculpture, parce que quand il fait des choses comme ça, c'est l'époque où il arrive à Paris dans les années 30, il fait des œuvres constructivistes, il est très imprégné par le constructivisme de Naam Gabo, de Anton Pevsner, sur le mouvement, sur les formes qui se retournent comme ça, sur la géométrie. Des œuvres comme ça, c'est des œuvres, maintenant ça coûte 1 million d'euros, quoi. C'est très très rare, les œuvres de Prinert de cette période des années 30. Mais très rapidement, alors voilà, ça c'est le musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun, vous avez un portrait de Prinert au fond, et vous avez une sculpture de Prinert. Très rapidement, Prinert va s'intéresser à l'être humain. Et l'être humain vu par Prinert, c'est un mélange de lui-même, c'est-à-dire d'un corps desséché, un corps de mort. Hein. Prinert, il a vu arriver quand même la Seconde Guerre mondiale. Il a compris tout ça. Et voilà une des sculptures de Prinert, c'est complètement étonnant. Quoi. C'est, voilà. Alors évidemment, comme il n'avait pas d'argent et qu'il vivait à la coupole, les gens disaient, Prinert, il vit dans le caniveau. Il reçoit dans le caniveau, plus exactement. À la coupole, tout le monde connaissait Prinert, parce qu'il allait manger les restes à la coupole. Voilà. On a oublié cette période-là, mais c'était encore dans les années 50 et dans les années 60. Voilà, ça c'est la vieillesse. Alors, pourquoi je vous montre ça? Prinert, donc il voit cet homme, il voit sa destinée, et il va chercher partout dans la pensée ce qui pourrait être une forme de religiosité, une philosophie. Donc, il va chercher ses Gurdjieff. Il n'y a pas que dans les bonnes sociétés bourgeoises, hein, parce que Gurdjieff, c'est quand même un peu hallucinant, Gurdjieff. Hein, mais je veux dire, il faut penser que Gurdjieff, c'est de 1930 jusque dans les années 60. Il faut savoir que Yves Klein était quand même plus ou moins un adepte de Gurdjieff. Et que dans la littérature, dans la politique, dans les milieux bourgeois, tout le monde pensait... C'était comment ça s'appelait? C'était le monde des hommes parfaits, la théosophie. Enfin, Gurdjieff prenait la théosophie. Un des plus grands artistes théosophes, qui était un adepte de Gurdjieff, c'est Mondrian, quand même. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec... Donc, il y a Gurdjieff, qui pour moi est quand même un peu un... Comment dire? D'abord, il est fascinant, hein. Franchement, il est beau, hein. Je veux dire, il est fascinant, hein. Il vient de Russie, etc. Il se fait loger chez les bourgeois, chez les princesses russes, etc. C'est un personnage. C'est une espèce de Rasputin, mais une sorte de Rasputin quand même vachement plus intelligent. C'est le chemin de l'homme parfait, je crois, Gurdjieff. Il faudra vérifier. Hein. En tout cas, il cherche la perfection. Donc la perfection, la théosophie, est un mélange de religion catholique, de mandala, d'hindouisme, etc. Donc ça, extrêmement important dans la religiosité des artistes et des créateurs avant-guerre, pendant la guerre, après la guerre. Deuxième, Picasso, deuxième dieu. Hein, alors, il a écrit un livre, Prinert, qui a été édité ici aux éditions Subervie, j'ai la chance de l'avoir, on me l'a offert, où il parle de Picasso comme un dieu vivant. Parce qu'effectivement, quand il est à Valoris, Picasso est Dieu, on va dire que Picasso c'est une sorte de Jupiter. Hein. Et puis un autre personnage très important aussi, c'est le rêvant père Régamet. Hein. Donc normalement c'est R majuscule et P majuscule, hein, je suis désolé. Mais le rêvant père Régamet, c'est quand même, avec le père Couturier, le fondateur de l'art sacré. Donc
c'est les Dominicains. Les Dominicains aussi, qui travaillent sur cette religiosité. Donc, en fait, ce qui est complètement fou chez Briner, et ça qui est très intéressant qu'on retrouve dans toute son œuvre, c'est un temps religieux. Voilà. Tout chez Briner est religieux, et ça explique pourquoi il y a par exemple une correspondance qui existe entre Michael Lonsdale et Anton Briner, qui est assez logique chez Michael Lonsdale, tout le monde sait qu'il est très religieux. C'est quand même très très intéressant. Donc, dans les années 50, tous ces artistes sont fascinés par un homme parfait. Voilà. Donc l'homme parfait chez Briner, c'est cet homme parfait. Eh ben, c'est un personnage comme ça, je pense qu'il est en plate. Donc, vous voyez la taille de Briner, 1m50, donc vous voyez la taille, il est largement plus petit que sa sculpture, qui est une sorte de demi-dieu, de divinité, qui traverse le temps et qui cherche l'immortalité. Le temps de Briner, c'est un temps qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que lui, toute sa peinture, toute son œuvre, est un temps mystique. Voilà. Et ça, c'est un truc qui paraît impensable, parce que c'est dans les années 50, ça a l'air des Spoutnik et de Laika, mais c'est un personnage absolument incroyable. Et quand il y a eu l'exposition, par exemple, sur le temps du sacré au Centre Pompidou, je crois qu'ils ont présenté quelques œuvres de Briner. Et si vous allez voir l'œuvre de Briner en bas, vous allez voir qu'il y a les symboles de la déité avec le triangle, vous avez le serpent, hein, qui symbolise aussi, je dirais, la longue vie. Et donc, c'était tout à fait normal. Voilà, la femme pharaon, par exemple, ça, c'est aussi très intéressant. Alors, des fois, c'est immense. Hein. Parfois, vous avez des œuvres de Briner, j'en connais quelques-unes, qui font 3 mètres de haut, tout en bronze. Quoi. Et donc, il se faisait exploiter. De fondre une œuvre en bronze, comme ça lui permettait de vivre. Mais il a jamais gagné un sou, quoi. Voilà, ça j'aime beaucoup aussi cette œuvre-là. Ça c'est fantastique, ça. C'est Vieira da Silva. Elle est aussi représentée dans le musée. C'est une œuvre de 49. Et c'est Vieira da Silva. Et au centre, qu'est-ce qu'on voit? Ce truc magique avec les mains. C'est Laurent et c'est le chat. Hein. Et le chat, c'est l'Égypte. C'est à ça que je veux vous emmener. Et regardez le visage de Vieira da Silva. C'est quand même un peu hallucinant. Il y a toute cette lumière divine qui arrive derrière. C'est un peu Saint-Sulpicien quand même. Hein. Et ça, c'est une peinture de Briner, pas très connue aussi. Voilà. Cette œuvre-là, vous pouvez la voir à Issouda. Alors c'est à ça que je veux vous emmener, parce que c'est ça qui se trouve dans le musée en bas, le livre des morts des anciens Égyptiens. Sachez que le livre des morts des anciens Égyptiens, je ne vais pas dire que c'est un platane, mais il y en a partout, il y en a dans tous les musées, hein, et que le livre des morts des anciens Égyptiens, c'est à la fois une relation de voyage, une relation sur des techniques d'embaumement, mais surtout une relation de voyage. Le livre des morts des anciens Égyptiens, c'est comment voyager sans trop de difficultés vers l'immortalité, c'est ça, hein. Le plus connu, c'est celui du musée égyptologique de Turin, qui est vraiment le plus connu, mais le livre des morts, en fait, c'est des rouleaux de papyrus. Donc évidemment, Briner va s'intéresser à faire ce livre. C'est, quand on y pense, c'est totalement délirant, parce qu'il a fait ça, mais pour rien du tout, quoi. Il va tout faire en gravure à l'eau forte. Donc, ce qui est complètement... hors norme, en fait, en 48, parce qu'en 48, vous voyez, en 48, vous avez les premières œuvres de Soulages, vous avez des œuvres abstraites, etc., et ce fameux livre des morts. Et donc, il y a 40 planches où il va même graver jusqu'au texte du livre des morts, et ça va être fait à la fois par Robert Godet. Alors, qui est Robert Godet? C'est un grand résistant, qui est rentré en résistance à l'âge de 16-17 ans. C'est un grand éditeur d'art qui va éditer Bruno, Briner, Max Ernst, etc. C'est l'introducteur en France du judo. Donc c'est le premier président de la Fédération française de judo, de l'hindouisme aussi. C'est quand même intéressant de le savoir. Et il va faire des livres aussi dans les années 50 qui vont connaître un grand succès parce qu'il va voyager dans des pays dans une deux chevaux. Donc vous voyez le Camel Trophy ou je ne sais pas quoi, c'est un peu de la rigolade. Et donc ce Robert Godet, ça va être un petit peu, je dirais, le mentor de Briner. Et donc c'est lui qui va lui faire faire ce livre des morts. Alors voilà, par exemple, une estampe de livre des morts. C'est hallucinant parce que c'est toujours cette espèce de visage comme ça qui se répète à l'infini jusqu'au soleil. Donc c'est Laurent, c'est la danse de l'enterrement. C'est vraiment l'interprétation qu'il va faire du livre des morts. Et dans l'esprit de Briner, c'est l'immortalité. Et ensuite, tous les livres qu'il va faire sont des livres sur l'immortalité, sur un temps qui ne verra jamais sa fin. Voilà. Donc c'est quand même incroyable de savoir que dans les années 40, 50, il y a des artistes comme ça.
Ça, c'est introuvable, des estampes comme ça. Voilà, voilà le serpent du livre de mort. Donc, c'est un des serpents comme il y en a en bas. Je suis le serpent fils de terre multipliant les années. Donc, je me suis couché et je suis enfanté chaque jour. Donc, ça veut dire que je renais, c'est l'Ouroboros. Hein. C'est le mythe du serpent. Je suis le serpent fils de terre aux confins de la terre. Je me couche et je suis enfanté, renouvelé, rajeuni chaque jour. Donc, l'incantation réclame, comme dans toutes les prières, la répétition de la prière. Voilà. J'ai fini. Je peux vous dire que là, on a traversé quatre temps différents. J'insiste vraiment sur Priner. C'est vraiment un artiste remarquable. Et c'est vraiment un artiste que moi, j'ai découvert il y a maintenant 12-13 ans, et même plus. Et j'ai fait ce beau catalogue qui est totalement introuvable. Et c'est le seul catalogue sur Priner. Voilà. Je prépare une édition de certaines lettres de Priner, mais c'est aussi intéressant de comprendre que dans les années 50, ce n'est pas la modernité, et que la transgression du temps, c'est aussi essayer de se conserver ce temps religieux. Donc on revient encore à cette histoire de temps religieux. Boltanski, qui finalement est dans une sorte de rituel, dans un truc religieux. Finalement, Fontana aussi essaye de rejoindre le temps et l'espace. Et Priner, qui est dans la renaissance perpétuelle et dans l'immortalité. Donc ça, c'est quand même, voilà. Et on n'imagine pas forcément ça quand on voit des œuvres d'art. Et quand on voit des œuvres d'art, et pour beaucoup d'artistes, on n'imagine pas non plus ce que pensent les gens, quelle est leur spiritualité, quelle est leur pensée religieuse, en particulier depuis maintenant 40 ou 50 ans avec l'introduction du bouddhisme, par exemple. Mais on pourrait parler également la pensée musulmane. Mais on pourrait parler aussi, le musée juif, par exemple, aussi à Paris. Il y a des artistes absolument incroyables qu'on ne peut pas comprendre si on ne connaît pas justement cette histoire religieuse. Voilà, je vous remercie.